Paris, je vous présente Anne-Marc. Ensemble, nous allons vivre une très grande histoire d'amour. Jean-Marie Perrier, bonsoir, je me présente. Moi, c'est Anne-Marc, dans le jargon des transplantations, on pourrait dire que je suis une sorte de rejet de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme un gros soupule en écran qu'on aurait sorti en pleine canicule, que du coup, malheureusement, eh bien aucun homme, aussi frileux soit-il, n'enfile jamais, et c'est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que même si du haut de vos quasi 72 ans, il faut bien avouer qu'entre votre sourire prudent et votre amour immodéré pour les UV, vous avez du coup un petit côté Sylvie Berlusconi, à moins viril que plus d'une femme qualifierait de tout l'amour. Et bien malgré ça, et bien, c'est pas tous les jours qu'on rencontre un photographe de talent qui depuis près de 60 ans immortalise des artistes aussi prestigieux que les Rolling Stones, les Françoise Hardy et autre Ophélie Winter, métier de photographe que vous avez découvert un peu en désespoir de cause, dans le sens où lorsqu'à 17 ans, vous avez réussi l'exploit de tripler votre troisième, et bien votre papa officiel, François Perrier, qui j'imagine commençait probablement à regretter de vous avoir reconnu, vous avez fait jouer ces relations pour vous trouver un boulot chez Paris Match, une chance que n'ont malheureusement pas tous les enfants en situation de choc scolaire. Je suis quand même petit niveau. Ayant dû attendre la fin du CM2 pour réussir à orthographier correctement mon prénom, et bien je autant vous dire qu'il a été élevé par un père qui, en sa qualité de CRS, a malheureusement toujours eu le bras plus leste que l'autre. Et bien, mis à part ce rôle d'appât qu'il m'avait confié un soir de ratonnade dans les quartiers nord de Marseille, et bien, à part ça, je n'ai hélas jamais réussi à être introduite, et ce, dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Et à propos de percer, j'ai découvert que vous avez abandonné la photo pendant 10 ans pour vous lancer aux États-Unis dans la réalisation de pubs et autres documentaires. Et vous avez d'ailleurs réalisé un clip contre la drogue intitulé « La drogue, c'est de la merde », un titre aussi original que percutant. Et vous savez quoi, ça nous fait quasiment un point commun, dans le sens où je suis qu'à mon petit niveau, étant dangereusement dépendante, depuis des années, de mon petit canard, et bien dans le cadre de la journée du handicap, j'ai réalisé un clip intitulé « La jachère, c'est l'enfer », un clip aussi sincère que désespéré, mais qui n'a malheureusement pas fait couler autant d'encre que je l'espérais, si vous voyez ce que je veux. Et du reste, même si je n'ai hélas jamais eu la chance de tourner autre part que dans la cave de mon tonton, et bien pour autant, sachez que la muse qui est en moi serait absolument enchantée à l'idée de se laisser mitrailler sous tous les angles, par votre langue focale, si vous m'autorisez la métaphore. Sur ces petites confidences, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien j'irai tenter ma chance en Italie, où les opérations de pompage du Costa Concordia battent leur plein. Donc si comme moi, vous avez un fort pouvoir d'aspiration, et bien n'hésitez pas à m'y rejoindre. À votre bon cœur, bravo.